Tiens, c'est quoi? Il y a des bougies? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain! C'est quoi cette merde? Putain! Ça m'a fait peur, cette merde. Ça aussi, c'est des monstres? Ah non. Putain! Le truc, il a un machin sur la tête pour faire croire que c'est un... C'était une plante. Putain, qu'est-ce qui m'a fait sursauter? J'ai fait un bond. Je pense avoir détecté un comportement anormal. Ennemi détecté. J'ai survécu une fois de plus à un affrontement. J'ai fait un putain de bond. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de violence. Wow. Ow. M'a tiré dessus, cette conne. Ouais, elle m'a tiré dessus, cette conne. Cargaison de bateau. Joli. La serrure, elle a cédé. Ça en deck. C'est des mecs, ça. C'est quoi ce bruit? Oh putain, c'est qui eux? Oh putain, trappeur de merde! C'est pas... Putain, j'ai cru que c'était un mec en fait. Ah, un matelas, on peut dormir. Ah, mais c'est un matelas sale, donc je crois que c'est 3 heures aussi. Waouh! C'est quoi cette merde? C'était un dinosaure ou quoi? Pont. Ok. On a dévalisé, on continue. Il y a un pont là-bas.
Il faudrait quelque chose à... avec une lunette. Qu'est-ce que c'est que ça? Je riposte. T'es sérieux là? J'analyserai ces rapports plus tard. Le truc était dans une voiture. Ok, je suis super étonné de ce DLC pour l'instant. Le début c'était un peu lent. Avec les monstres qui étaient pas. Qui étaient un peu bof bof. Mais là le truc qui. Tiens, en plus Lobster Grill Family Restaurant. Ah non, ça c'est marrant ça. Putain, le truc quoi qui sort de la voiture comme ça. Mais là ça mène où là? Ouais, je pense pas qu'on peut y accéder. Je pense qu'il y aura une sorte de mur invisible, je crois. Enfin, c'était comme ça dans le Commonwealth, donc... Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et on va aller voir ça là-bas, là. Non, peut-être pas. Peut-être rien en fait. J'aime pas vraiment rester dans l'eau comme ça. Bien des maisons. Grizzly. Enfin, Grizzly. Yoka, machin, je sais pas quoi là. You are guy. Ah, guy, guy, guy. Oh putain, la grenade! Ah, curry. Ok, donc ça c'est l'usine. Ça a l'air pas mal grand. On a faim et soif, ça peut attendre. Cool. Oh, cool. Antibiotiques, ça c'est cool. Oh merde. Je me rappelle même plus de ce qu'on doit faire ici en fait.
Ah oui, les outils électroniques, oui. C'est vrai que l'autre, elle nous a demandé de... Un fat man. Je pense avoir détecté un comportement anormal. Reprise des hostilités. Une grenade a été lancée. Tu te l'es balancé sur la gueule, putain curie. Hop. Les blessures en véhicule étaient censées être la plus grande menace. Par contre, on est trop lourd, merde. Ça serait bien que Curie, tu te ramènes en fait. Il y a autant de bordel. Hey. Qu'est-ce que vous voulez? Seriez-vous en train de me faire un cadeau? C'est ça, ouais. Je suis en train de me vider, en fait. Les poches, bien sûr. On va donner ça, ça... Non, ça, je le garde. Curie ne peut plus rien transporter, super. Pourquoi ça tire là-bas? Putain, ça tire bien en plus. Quoi? Qui est là? Oh merde. Ils parviennent à conserver leur fonction cérébrale et leur motricité. Non, oh, putain, imbécile. C'est dangereux, le combat est un excellent exercice physique. Putain, ceux qui sont invisibles, on les voit, mais pas du tout. Hein. Genre, ils sont parfaitement invisibles, quoi. On a une radio. Si vous avez trouvé ça génial, attendez un peu de savoir ce qui sera bientôt diffusé au cinéma de Neptunus. Neptune est attaqué par l'Empire Zébulonien, et seul le voyou de l'espace Blast Amiga peut lui sauver la mise dans les envahisseurs de la galaxie. Ça a l'air passionnant, et pas autant que ce qui va être diffusé ce week-end au cinéma en plein air des Neptunus. Attrapez vos pistolets et préparez-vous pour un bon vieux règlement de compte avec le retour des combattants furieux dans Dernière Bataille à Fort Maki. Les radiations à tout. Vous avez faim, Cowboy? Pourquoi ne pas aller au stand pour prendre quelque chose? On a une bonne réception, doit être proche. Ça doit être là. D'écouter les films quand vous pouvez les voir en haute définition dans toute leur splendeur. Voici le film diffusé actuellement. Laissez les enfants à la maison, car la nuit de la revanche des hommes poissons va leur donner de sacrés cauchemars. Ouais. Wow. Oh, ça m'a l'air passionnant. Ça me donne des frissons.
Le fun ne s'arrête jamais au cinéma d'Eden Meadows. Voici le film qui sera bientôt diffusé. C'est l'heure du meurtre à bord d'un train à vapeur. Bah, d'abord, on va retourner récupérer les outils parce qu'on n'a pas récupéré les outils encore. Ça a l'air passionnant, mais pas autant que ce qui va être diffusé. Ça a l'air passionnant. Le mec, il a aucune émotion, ça va. Ça a l'air passionnant. Ça c'est fait. Olé. Joli. Allez, on entre. Monsieur Platt avait fait du sang, et il semblerait qu'il avait raison. T'es sérieux? Ça y est. Votre pouls et vos signes vitaux se situent toujours dans les normes acceptables. Ouais, c'est sympa ça. Ouh, il est pas mal ce fusil à pompe. Il a beaucoup d'augmentation. C'est bon. On va voir qu'on retourne à une... Oh la vache! Faut qu'on retourne à une ville à un moment parce que va falloir que je change un peu mes armes. Parce que la Gatling en fait peut utiliser. Vous avez un ennemi détecté. Pas mal de différentes. Munitions, donc ce serait pas mal de les changer. Je crois que là c'est du 5 mm. C'est du 50. Et ouais, il m'en reste 4000 là. Je crois que j'avais commencé à 8000. Hein. Donc ça part très vite. Alors. Oh putain. Vous voilà. Et messieurs, les ennemis ont été éliminés. Alors, apparemment ils sont juste là. Yes.
Donc on a les outils, c'est bon. Ça au moins c'est fait. C'est qu'a ouvert la... Quoi ? Salut. Hé hey, attendez ! Ça fait des semaines que je surveille ces ghouls, que j'attends une ouverture. Et vous, vous débarquez, vous foncez dans le tas, et vous les massacrez toutes. Est-ce que vous savez ce que vous avez récupéré ? Un coffret d'outils pelmen. Qu'est-ce qu'ils ont de si génial, ces outils ? Les pompes pelmen ont plus de coupe qu'un écorcheur sous psycho. Avant de partir, ils appartenaient à Polly. Il en a toujours pris grand soin. C'est impossible de trouver de meilleurs outils sur cette île. Purement impossible. Je me rappelle des pubs pour les outils pelmen. Ils étaient pas donnés, mais c'était du très haut de gamme. C'est quoi une pub ? Bref, on s'en fiche. C'est la marinière qui vous envoie, n'est-ce pas ? Maudit soit Mitch, lui et sa grande gueule. Je sais pas combien elle vous propose, mais c'est une broutille. N'importe quel bâtisseur compétent donnerait un bras pour ses outils. Je vous offre 2000 capsules, là, maintenant, tout de suite. Marché conclu ? Waouh ! Pourquoi vous voulez tellement ces outils ? J'ai mes propres projets en tête. Et vu le prix que je paie, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. 2000. Des outils comme ceux-là, en parfait état, ça ne court pas les rues. Peut-être qu'on me proposera mieux ailleurs. Je vous propose une véritable fortune. Et vous le savez bien. Non, merci. Je ne vais pas rester là éternellement. Si vous refusez, vous allez le regretter. Bah, le truc, en fait, c'est que... Je me rappelle plus qui c'est qui m'a proposé d'avoir un flingue à la place. Je crois que c'est la marinière. Je crois que c'est elle qui veut les outils, donc qui propose un fusil ou je sais pas quoi. Et franchement, 2000 capsules, putain, c'est beaucoup quand même. Putain. Bon, on se reverra, mec. Franchement, je te tuerais sur place si j'avais le temps, mais je dois partir, donc t'as de la chance. Mais sinon, ouais, je t'aurais bien tué. Pour voir si t'avais les 2000 capsules sur toi. Par contre, merde, il va avoir une... Ah, fais chier. Oh la vache. Oh. Ah, bien joué. Il est passé où ce con ? Oh, oh, oh. Quelque chose d'intéressant.
Bon, ça, ça va être chiant pour les radiations. Quoique peut-être qu'elles font pas de dégâts, les tempêtes ici. Je sais pas. Ah oui, on avait aussi la radio. Ouais, ça va. De toute façon, on y reviendra, on va faire le tour plusieurs fois de l'île, donc c'est pas pressé à la minute. On récupère un peu d'eau. Un truc qu'on va faire aussi quand on est de retour pour donner nos quêtes, c'est dormir. Mais dormir pendant peut-être 24 heures, je pense. C'est quoi ça? Ah, lapin! Merde, c'est pas un lapin ça. Je détecte une présence à proximité. Oh merde. Oh, loup gris! Contact visuel interrompu. Ah, ça c'est nouveau ça. Oh putain derrière moi! Oh la vache! Kathleen. Fusion corps. Putain. Bon, par contre, on est légèrement plein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de drogue. Ça fait longtemps, tiens. Putain, j'ai pas pris de drogue, ça fait très longtemps, c'est bizarre. Normalement, hein. Voilà. Vous sentez malade, faiblesse. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Adrénaline. Faiblesse. Prends 20% de plus de dégâts, ben putain. Eh, mais sérieux. Suspect. Prest immunity, ouais, ça on sait. Ah putain. Ah ah. Nouvel endroit. Et apparemment, ça serait protégé. Il y a peut-être des mecs en fait. Peut-être des gens alors.